Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne qui a été conçue spécialement pour vous. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je publie dans ma chaîne. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo et dans laquelle nous allons voir ensemble comment développer une action en précisant ses circonstances. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Bonjour Rose, est-ce que tu sais comment on peut développer une action ou un événement en précisant ses circonstances? Bonjour mon professeur. Non, je n'en ai aucune idée. Bon, écoute-moi attentivement et à la fin de cette séance, tu seras capable de développer une action en précisant ses circonstances. C'est-à-dire que tu vas l'enrichir par des compléments circonstanciels. D'accord mon professeur, comme vous le savez, je suis toujours attentive dans votre classe car grâce à vous, j'ai pu apprendre beaucoup de notions grammaticales. Donc, on commence tout de suite. Est-ce que tu te souviens du texte que nous avons vu en activité de lecture, intitulé Le crime de l'été? Oui bien sûr monsieur de Tanoli Raymond. Très bien, et qui était le personnage principal de cette histoire? Le personnage principal de cette histoire était Paul. Bravo Rose, c'est une bonne réponse. Que s'est-il arrivé à Paul? Paul est mort. Très bien, je te demande maintenant d'enrichir cet événement par des compléments circonstanciels en te référant au texte. D'accord mon professeur. Je te laisse quelques minutes pour réfléchir. Vers 12h, le narrateur vit Paul mort dans un fauteuil par une balle. Bon, explique-moi comment tu as procédé pour développer cette action ou cet événement pour que les autres élèves puissent comprendre. Oui, avec plaisir monsieur, le narrateur disait dans le texte en question, « Je vis Paul mort et pour préciser les circonstances de cet événement, j'ai ajouté trois compléments circonstanciels. » Dites-nous de quels compléments circonstanciels s'agit-il? Oui, j'ai ajouté un complément circonstanciel de temps, vers 12h. Un complément circonstanciel de lieu, dans un fauteuil et un complément circonstanciel de moyen, par une balle. Bravo Rose, tu es une excellente élève, ça se voit clairement que tu as bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Je te donne un conseil. À la maison, essaie de construire des phrases personnelles dans lesquelles tu vas développer une action tout en précisant ses circonstances. D'accord monsieur et merci pour tout ce que vous faites pour nous. De rien Rose, au revoir et à la prochaine séance. À très bientôt monsieur.